peu. C'est Mary. Alors attention, histoire vraie. Ça fait 20 ans que je suis chez SFR, à peu près. Hein. J'ai donc la box, j'ai donc voilà tout le matos SFR, le réseau, le téléphone, 20 ans, hein, 20 ans. Donc j'ai pris ça, j'avais à peu près 10 ans, quoi. En gros. Bon, donc j'ai toujours eu des problèmes de réseau, de communication, de téléphone. J'appelais SFR, il y a 20 ans hein, déjà. J'appelais SFR, je dis ça marche pas très bien. Oh, monsieur, on vous envoie un technicien. D'accord. Le technicien n'est jamais venu, absolument jamais venu. Hein. Histoire vraie. Alors, de temps en temps, je rappelais 2-3 ans après, on vous envoie un technicien. Les mecs n'ont jamais envoyé technicien. La semaine dernière, 20 ans, ça fait 20 ans, la semaine dernière. Bon, j'appelle et je vexe un petit peu le gars. Hein. Je dis, ouais, c'est pas peine de dire d'envoyer un technicien, parce que vous l'avez jamais fait depuis 20 ans. Le mec se vexe un peu, je n'avais pas honte de travailler dans une boîte pareille. Le mec se vexe un petit peu. Je vous promets, monsieur, je vous promets qu'il y aura un technicien la semaine prochaine. Le gars, il est venu, le technicien, il est venu. Il est venu, le gars. Avec son petit tournevis, en 2 minutes, il a tout solutionné. Il a enlevé un petit filtre, des petites conneries. Tout solutionné, c'est bien super bien marché. 20 ans, il a mec. Alors quand il est arrivé, le gars, un jeune gars, je lui ai dit, quel âge tu as? Le gars me dit, j'ai 23 ans. C'est-à-dire, quand je l'ai commandé à SFR, le mec, il avait 3 ans. Il avait 3 ans, le mec. Alors, si vous avez besoin d'une urgence à SFR, vous n'hésitez pas, vous appelez dès maintenant. Vous appelez dès maintenant le temps de la conception, parce que maintenant, ils font la conception. C'est-à-dire que tu as 2 techniciens de SFR qui coïtent, hein, qui copulent, hein, et là, ils conçoivent le technicien qui va revenir, il va venir à ton rendez-vous dans 20, 25 ans à peu près. Tu vois? Bon, intervention rapide, faut laisser faire. Histoire vraie, hein. Je te jure, c'est une histoire vraie.